suis prête à partir, j'ai un manteau. Genre, c'est un manteau que je mettais avant et ma maman elle le met tout le temps. Du coup, je vais le mettre parce que hier, je me suis un peu caillée le temps d'aller à l'arrêt de bus. Puis vu qu'il pleuvait, bon, là, je sens qu'il va pas pleuvoir alors que j'ai mis une capuche exprès, mais bon. Lily, bouge tes fesses! On devrait déjà être parti depuis 5 minutes. Non, prends son temps. Bah, je m'en vais sans toi. Je dirais à la dame du bus, bah, Lily, aujourd'hui, elle vient pas. Elle a décidé, elle venait pas. Vous pourrez le dire à la maîtresse. Tu comprends ce que je te dis ou pas? Oui. Bah, qu'est-ce que tu fous? Non, mais c'est bon. Bon, c'est dans pendant 10 minutes alors que hier tu l'as pas fait. C'est quoi 10 minutes? Longtemps. Allez, bouge. Oh, mais tu saoules. T'avais pas mis tes chaussettes? Allez, assis-toi. En retard. J'en peux plus. Elle est à 2 à l'heure. Pas possible. Tu lui dis un truc, il faut 50 ans pour comprendre. Et là, elle est partie devant toute seule, ce que je lui ai dit. Parce que Lou, en fait, elle s'est pas réveillée. Enfin, quand je me suis réveillée, il était 7h20. Et son bus part à 25 de l'arrêt de bus. Et je lui ai dit, bah, tu fais quoi? Ah, bah, je prends. Tiens, mon réveil a pas sonné comme d'hab. Du coup, j'ai dit à Lily, j'ai pas emmené Lou en voiture, elle s'est débrouillée. Donc toi, tu feras la même, tu descendras à l'école en à pied, puisque Lou, elle avait un bus plus tard, mais bon, du coup, elle loupera quand même des cours. Hein. Mais bon, ça me saoulait de faire emmener Lou. Il fallait mettre Lily dans la voiture, habillée, déjà prête, qui boit son livre dans la voiture. Emmener Lou, et au retour, déposer Lily, revenir, et puis après, je me prépare et je repars. Bref, pas que ça à faire. Je suis pas le taxi. Bref, du coup, on y go. On se dépêche, Lily. Cours, cours, cours. Comme on est parti en retard, là, il est 8h20. Et il y a toujours pas de bus. Du coup, c'est chelou. Enfin, 8h18. Quoi. On attend encore 2 minutes. Parce que, imagine, je retourne chercher la voiture. Bon, en fait, il passe. Oh, ça me saoule. T'y vas à pied. Allez. Non, ça va que t'as 5 ans et que je peux pas te laisser aller à pied, hein, parce que sinon, t'irais quand même. Hein. Ah bah si. J'en ai marre. Je pense que ça va être une journée pourrie, là. Du sens, ça. Finalement, peut-être pas si pourri que ça, le bus est là. Vous pouvez le voir derrière. Donc voilà, ouf. Parce que bon, remonter, rechercher la voiture, redescendre à l'école, remonter, enfin bref. Saoulé, hein. Et là je pense que je vais faire du sport, j'ai envie de faire du sport, hein. Et en plus aujourd'hui mes cours c'est 10h30 midi, enfin c'est pas des cours, on va à un truc qui s'appelle le dojo à Besançon et apparemment on va faire un truc genre de relaxation, je sais pas quoi, du coup faut s'habiller en tenue confortable, je vais mettre un legging et tout, je vais mettre les baskets que j'ai au pied là, mes Nike, les ultra trucs qui sont trop confortables, donc voilà. Voilà, je suis rentrée en courant, il pleuvait pas mais... mais c'est mon petit échauffement. Du coup, j'ai déjà ma brassière de sport sur moi. Je vais juste enlever mon pull parce que là, je meurs. Et mettre un short de sport, descendre mon tapis et sport. Ah, faut que je prenne la bouteille d'eau aussi. Déjà trop soif. Je viens de faire du vélo elliptique là pour m'échauffer un peu. La morte. Voilà, j'ai fini. Oh, ça a été bien fatigant, mais ça fait du bien. Mais je me dis, je vais être crevée là. J'espère que la séance de relaxation, c'est tranquillos. C'est vraiment de la relaxation, relaxation. Du coup, là, je vais aller prendre une douche, me maquiller, etc. Parce qu'il va être bientôt déjà 9h15 et que je dois être à 10h30 là-bas. Le temps que je me gare et tout. Que je trouve exactement où c'est, et puis je vais y être en avance parce que je sais, enfin je vois le bâtiment à peu près, mais je sais pas où c'est exactement dedans, etc. Donc je puisse rejoindre les autres. En plus, je sais même pas, je suis avec qui dans mon groupe, mais pas trop avec des gens que je connais, je crois. Donc voilà, à la douche, allez. Et je regardais Super Nanny. Oh, j'ai encore le hockey, c'est chiant. Comme je m'étais attachée les cheveux pour faire mon sport, ils ont pris une de ces sales têtes. Du coup, je vais lisser un petit peu vite fait juste les pointes parce que c'est... ça va pas du tout. Je sais pas si vous avez vu, hier, il y a Chocolat Bonbon qui est sorti et je m'apprêtais à la commander vu qu'en plus, il y a un moins 25% en ce moment quand on a la carte black. Donc ça l'a fait à 33 au lieu de 44 et...
Elle était encore disponible quand j'ai fait ma pause entre mes partiels. Et hier soir, quand je suis rentrée chez moi et que j'ai voulu la commander, elle n'y était plus. Du coup, j'étais complètement dégoûtée. Du coup, je vais essayer de guetter si elle n'est pas dans mes magasins, mais franchement, ça m'étonnerait. Donc, voyons voir. 25 000. Ça m'étonnerait qu'elle y soit. Article disponible en ville? Eh ben, vous savez ce que je vais faire? Ah non, je peux même pas la commander en clic-relais là. Eh ben, tout à l'heure, en fait, je voulais aller changer mon soutien-gorge undies, qui était trop petit, et je pense que je vais m'en reprendre un des ensembles. Mon copain, il m'a fait, oh, si tu veux, vas-y, je t'en prends pour la Saint-Valentin et tout. Mais je crois que je vais aller m'en acheter tout de suite, en fait. J'ai, voilà, j'ai envie. Puis je passerai à Sephora. Vu que je finis à midi, c'est pas grave si je rentre chez moi vers 13h, 13h30, on s'en fout. Donc je pense que je vais aller voir. En plus, le code peut marcher en magasin. Donc voilà, ça peut être coolos. Et apparemment, elle est disponible. Alors j'irai voir. Parce que c'est bizarre. Enfin, bref. Et si vous me demandez, le rouge à lèvres que je porte, c'est le Twig de chez MAC. Comme bah, vous verrez dans mon haul, j'ai fait des swatchs, mais sur ma main, j'ai pas fait swatch, j'ai lèvres. Et j'attends encore d'avoir un peu plus de rouge à lèvres MAC. Et je vous ferai une vidéo swatch, etc. Sur ma bouche, sur ma main et tout, de tous mes rouges à lèvres MAC. Et je pense faire plus de vidéos comme ça avec plein de swatchs de trucs parce que moi, c'est les vidéos que j'aime trop regarder. Genre Sana, elle en fait. Et ça me donne trop envie d'acheter. Enfin, quand tu regardes les swatchs qu'elle fait elle et les swatchs qu'il y a sur les sites, des fois c'est pas tout à fait pareil. Du coup, voilà, même quand je regarde un rouge à lèvres MAC sur Google, t'as 10 photos avec 10 teintes différentes. Alors, on se fie sur laquelle? I don't know. Voilà. Bon, je vais m'occuper de mes cheveux, puis ensuite je vais pas tarder à y aller. Et vous savez pas ce que je viens de faire. Je pense que si vous suivez mes vlogs, vous êtes au courant que je voulais absolument le Black Opium. J'en ai déjà parlé, genre il y a plein de parfums soldés, mais celui-ci comme par hasard non et tout. Sous mes baskets. Et du coup, je viens de me le commander en truc click and collect. Du coup, j'irai le chercher tout à l'heure. J'ai pris avec les moins 25%, donc je l'ai payé dans les 45 au lieu de 61 pour juste pour le 30 millilitres. Je veux pas prendre des. Enfin, je veux dire, les parfums plus gros, après, ok, ça dure longtemps, mais j'aime bien, moi, en avoir plein, enfin, pour pouvoir changer, etc., suivant les saisons et tout. Et par peur de me lasser, mais le Black Opium de Yves Saint Laurent, ça faisait un petit bout de temps que je le voulais, ce petit-là. Donc voilà, je l'ai pris et j'irai voir en même temps pour la palette, etc. On va éteindre la télé, c'est mieux. Prendre les clés de la voiture, c'est mieux aussi. J'ai bien pris mon portefeuille et tout, parce que. Et go go go. Donc voilà, je suis dans la voiture. Lou avait encore très mal garé la voiture. J'avais pas trop vu. Et du coup, je vais dire le rehausseur, mais bien sûr. J'ai un trou de mémoire. Le rétro, il s'est un petit peu. Dans 200 mètres, au rond-point, prends la première sortie. J'ai mis le GPS depuis chez moi, sauf que bah, je suis allée à Besançon quand même. Du coup, il va me dire tout le chemin, mais c'est juste après en ville exactement quelle rue. Surtout qu'il y a des rues en sens unique, des rues machin, bref. Et la rue où je vais. Prends la première Stop! sortie. Donc, on m'avait demandé plusieurs fois c'est quoi cette voix qui parle et tout. Et ben, c'est le GPS et c'est pas une fille. Parce qu'on m'avait demandé c'est quoi cette voix de fille. Et en fait, c'est. J'ai changé la voix, j'ai mis ado rebelle. Voilà. Je m'éclate. Ça me fait rire, genre quand je dois tourner, il dit. Fais demi-tour, mais ne fais pas un dérapage et tout. C'est quoi ça, les petits vieux qui traversent en plein milieu de la route sans le passage piéton, alors que le passage piéton est à 2 mètres, quoi. Tu veux que je t'écrase ou je sais pas, ça se passe comment. Bref, je vais vous laisser parce que j'ai plus rien à vous dire, voilà. Je vous raconterai comment ça s'est passé après, si j'ai réussi à avoir la palette. Undies, alors faut que j'aille Sephora Undies après. Et voilà. Voilà, j'ai trouvé une place pour me garer. En fait, c'est pas loin de mon orthodontiste. Enfin, c'est juste la rue à côté, puis c'est la rue où ma maman allait faire ses échographies quand elle est enceinte de Lily en fait. J'ai pas vu exactement c'était quel truc, donc là je vais y aller. Faut juste que j'aille payer le parking quoi. C'est chiant ces trucs là. J'irai jusqu'à quoi, midi? Il faut mettre combien de temps il reste avant.
Bon bah le truc pour payer le parking ne marche pas et je vois qu'il n'y a aucune voiture qui a un petit ticket. Ah si, on a. Je sais pas où ils sont allés. Moi j'en ai pas donc bon tant pis. Hein. S'ils me mettent une amende, je dirais bah le truc il marchait pas. J'aurais dû prendre photo le truc d'ailleurs. Bref, maintenant faut que j'aille trouver le machin. Du coup, donc voilà, j'ai fini le truc de relaxation. C'était top. Enfin, franchement, on vous a parlé genre le chi là. Le truc d'énergie et tout. Et franchement, ça marchait bien, ça a bien relaxé. Moi, bon, à la fin, il a fait un truc de relaxation. J'ai trouvé ça un peu long. Et mince, pourquoi j'en chute dans les clés de voiture? Oui, ça. Et il nous a parlé aussi de médecine chinoise, etc. Enfin, voilà. C'était cool aussi. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, du coup je voulais me garer au passage Pasteur mais je me souviens plus la dernière fois que j'étais allée guetter, du coup il faudrait que je reguette. Bon, très bien, déjà j'ai même pas payé le parking parce que je suis restée moins d'une heure, parfait. Sinon je suis allée changer sous sa gorge Indies. Je me suis pris deux autres ensemble, t'as bien. J'ai récupéré mon Black Opium et j'ai demandé à la dame s'ils avaient la nouvelle palette de Too Faced. Je me suis dit, laquelle? Et bah celle qui est sortie hier, la chocolat blanc. Elle me dit non, je crois pas. Elle demande à sa collègue est en train de les mettre en place. Du coup elle me dit vous voulez la voir? J'ai dit oui. Elle me la montre et je dis bon bah je vous en prends une. Les 25% bien marché, mais pas besoin de dire le code en fait. Du coup je l'ai acheté, ça y est. Bon, du coup voilà, je vais rentrer chez moi. Je me suis acheté aussi deux tomates et il y avait un truc, je savais pas si j'étais pas sûre d'avoir du maïs chez moi. En fait j'avais trop envie de salade de tomates maïs, puis je vais peut-être me faire cuire un œuf. Et j'ai pris un maïs doux en grains hein, avec des poivrons, et genre les poivrons c'est trop ma vie, alors du coup je me suis dit je vais tester. Il y a un berçon. Ah, je voulais vous parler d'un truc aussi. Je vous avais dit du coup j'ai pas pu payer le parking parce que le rodateur le rodateur ne fonctionnait pas, du coup bah, j'ai pas payé voilà. Mais quand je suis arrivée vers ma voiture, il y en avait un peu devant genre les gars qui s'occupent de ça, genre c'est pas la gendarmerie, c'est des AS je sais pas quoi là, je sais pas comment ça s'appelle, ASVP un truc. Je sais pas, c'est un truc du genre je crois. Et ils étaient en train de regarder les voitures et tout. Et en fait maintenant il y a un nouveau truc, genre tu dois mettre ta plaque d'immatriculation dans le truc machin. Et donc je sais pas si j'ai eu quelque chose. Enfin en tout cas j'ai pas eu genre le petit papier vert comme j'avais déjà eu un coup et qu'après j'avais eu une amende. J'ai rien eu du tout. Donc je sais pas si puis je sais qu'ils ont fait un nouveau système où en fait on peut faire depuis une application, je sais pas quoi. J'ai pas trop suivi ça, mais ils peuvent pas faire ça obligatoire parce que il y a forcément des gens qui ont pas de smartphone et pas d'application. Donc voilà, du coup je sais pas, on verra bien, mais enfin si j'ai une amende, le truc il était éteint, du coup enfin je sais pas comment faire moi. Donc voilà, on verra bien. J'ai faim et je sais pas si je voulais me faire cuire un œuf, mais je me dis que j'aurais pas la patience d'attendre qu'il soit cuit. J'ai tous les feux rouges, c'est pas juste hein. Vraiment pas juste. Et du coup avec la chocolat de bonbon, je pense vous faire genre un look pour la Saint-Valentin, genre pas vraiment getting ready, genre je me lève, je fais ça, nanana, juste genre maquillage, tenue, coiffure, enfin coiffure je vais rien faire de toute façon avec mes cheveux, je vais pas faire grand chose. Et moi la coiffure, il y en a beaucoup qui m'ont demandé genre des tutos coiffure ou des trucs comme ça, sauf que ben, moi la coiffure et moi, je veux dire, quand j'avais les cheveux longs, je faisais quoi? Des nattes, une tresse, ouais, c'est pareil. bah, un chignon ou une couette, quoi, mais c'est tout. Genre, je faisais pas des trucs de malade. Genre, la coiffure, c'est pas mon truc. Et avec ces cheveux-là, déjà rien quand je fais une couette, il y a des cheveux qui tombent, alors bon. Tu t'arrêtes, toi. Hein. Mais bon. Donc, voilà. C'est tout à peu près ce que j'avais à vous dire. Oh. Bah ouais, c'est tout hein. Je vais rien faire en rentrant là. J'avais dit que j'allais peut-être faire du sport cet après-midi, mais du coup je sais pas. Enfin, vu que j'en ai déjà fait ce matin,
c'est bon, j'ai fait ma relaxation, je suis relaxée. Oh, on a fait genre, je vais vous dire quand même ce qu'on a fait un petit peu, genre dans le truc de relaxation. On a fait au début, alors on devait se masser le tout du pied, genre on était en debout avec une balle de tennis, ça fait genre vraiment trop du bien. Après, on était deux et il y en a un qui appuyait comme ça dans le dos, après comme ça, après avec les mains et tout. Et ça, ça faisait pareil trop du bien, genre un petit massage de dos, tranquillou. Après, on a fait massage de dos, mais en roulant des balles de tennis dans le dos. Par contre, ça c'était un peu dégueu parce qu'elles étaient un peu sales. Et je me dis que tous les gens, ils ont fait ça avec leurs pieds avant et on te le met dans le dos et sur tes mains. Donc bon, ça c'est un peu dégueu, mais c'était tellement bien. Et après, on a fait un truc genre on est allongé, il nous parlait, alors vous ressentez ici, ça, dans les mains. Oh, il avance pas, lui. Il y a 50, c'est 70 là. Je crois qu'il sait pas, on est parti de Besançon. Allez! Ah, ça m'énerve, ça avance pas. Bref, donc voilà, on a fait ça et c'était vraiment genre bien. J'ai failli m'endormir. Je pense qu'il y en a qui se sont endormis, j'ai entendu des ronflements. Donc voilà, c'était vachement cool. Et il a dit en fait, on fait ça, donc c'est parce que genre notre métier, genre ce qu'on veut faire, c'est infirmière. Et ben, oh l'autre il le double, mais moi je peux pas, il y a le virage après, il est un peu fou le gars. Oui, c'est parce que notre métier, je veux dire, on va donner aux gens et on peut pas tout prendre sur soi-même. Il faut aussi genre se détendre, etc. Il nous a raconté un peu ça. Du coup, voilà, c'était cool. Et il a dit que lui, il avait mal au dos avant et depuis qu'il fait ça, je sais plus comment ça s'appelle, bref, un entraînement chinois. Et ben, il avait plus mal au dos, donc voilà. Mais bon, je me vois pas faire ça tout le temps. Enfin, je sais pas. Genre, je suis pas trop... Genre les trucs genre yoga, relaxation, j'ai un peu du mal. Moi je suis plutôt sport bouge. Voilà. Donc voilà, je vais vous laisser parce que je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire. Et puis j'ai déjà parlé trop longtemps. Et mon vlog il va être trop long comme celui d'hier. Donc voilà, bisous à toutes. Bon, comme je vois que le vlog est bien trop long, je vais vous laisser. Et du coup la suite sera en ligne demain. Donc voilà, bisous.